Je vous présente les deux dernières délibérations qui concernent le personnel. La première concerne un protocole d'accord transactionnel avec un ancien agent de la ville de Viroflay, dont vous avez le nom dans la délibération, qui avait été recruté en mai 1995. Et donc, il y a eu un contentieux lorsque on a souhaité ne pas renouveler son contrat. En discutant avec nos différents conseils, elle aussi avait des conseils de son côté, il nous a paru plus judicieux de ne pas aller jusqu'au bout d'une procédure judiciaire dont personne ne connaissait l'issue. Et nous avons préféré négocier un règlement à l'amiable avec un protocole d'accord qui nécessite que la ville paye à Madame 32 000 euros d'indemnité transactionnelle valant dommages et intérêts. D'après l'estimation de nos conseils, ça aurait pu être facilement deux fois plus, mais toujours avec l'incertitude du résultat d'un procès. Voilà, y a-t-il des demandes de parole sur cette délibération, Monsieur Madame Égal? Oui, donc cet accord met fin à un conflit par un protocole accepté par les deux parties. Cependant, donc il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le bien-fondé de cet accord. Nous nous abstiendrons.